si jamais. La config, ça ressemble à ça. Rien de compliqué. Il est pris dans le fichier config qui est ici. Bah évidemment, je vais pas vous le montrer, parce que dedans il y a mes mots de passe. Donc là, il me dit quoi? Il me sort bien passe. Ah, niqué. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là-dedans, dans ce fichier config index, il y a les authentifications pour se connecter à l'IRC de Twitch. Donc en gros, quand vous suivez la doc là, à un moment donné, ça dit d'aller ici pour générer justement une clé d'authentification. Hop. Donc là-dessus, tu vas là-dessus, tu cliques sur Connect et ça te génère cette clé. Que tu rentres ici, ce qui est donc dans le fichier config. Et moi là, comme je suis en train de coder ce petit client ici, j'ai juste fait un petit log de mon objet et du coup, paf pastèque, ici vous avez eu mon mot de passe. Ah, c'est con. Du coup, bah, j'ai revoqué l'autorisation, j'ai régénéré une clé. Et puis je vais essayer de pas refaire la connerie. Et pour ça, dans le client, là, j'ai créé une fonction toString qui en fait va remplacer le mot de passe par poète tralala, histoire de pas voilà à chaque fois avoir à recommencer.